Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de David Tesla Connect. Salut. Pour le test de sa Tesla Model S. Enfin, le test, vite dit, je vais l'essayer moi pour avoir un ressenti et je vais vous dire ce que j'en pense. Mais alors, en tout cas, déjà par rapport à la Model 3, j'ai l'impression d'être sur un tableau de bord d'avion. De suite, ça change hein, quand même le. Ah oui. Ah, mais il y a surtout ça là. Le volant, le cintre, le fameux. Oui. Le yoke. J'aurais pu te faire la même présentation que le gars avec sa. Comment elle s'appelait sa bagnole là? La Vega Missile. Ah, la Vega Missile, ça pousse. Alors, c'est pas la Vega Missile, mais ça pousse. Ça pousse. Voilà. Combien c'est 700 bois 700, ouais, quasiment. En électrique, quoi. 600, en de mémoire, c'est 670. Il y a de quoi faire. Quand on en arrive là, de toute façon, on n'est pas plus à 30 chevaux près. Hein. Non. Bon, après, niveau voiture elle-même, prestation, enfin, au niveau du poste de pilotage, tu sens que tu passes dans une gamme au-dessus, là. Bon, du coup, je vais te laisser tourner. C'est l'effet que ça m'a fait. Quand je suis monté la première fois dedans, j'ai trouvé que ça faisait vraiment, comment t'expliquer, moins joué, plus sérieux, tu vois. Ah oui, bah là, on est sur une grosse berline, parce quoi. Que pour moi, la Model 3 est un jouet de luxe, en fait. Qui est hyper agréable. Alors attends, tu veux que je t'ouvre peut-être le portail? Ah, tu crois qu'on peut pas passer? Non. Je mets le code. Ensuite, je mets le contact. Et j'appuie sur le bouton rouge. Ah, c'est... Ça ne laisse pas indifférent. Pour passer la marche avant, donc là, il n'y a rien sur le volant. Donc on fait glisser la voiture. Et il m'indique que je passe en position drive en fait. Hein. C'est ça. Allez. On va se mettre un peu de. Ah, il y a de la ventilation, c'est bon. Ouais. C'est pas qu'il fait chaud, mais presque. On est au mois de mars, mais la voiture elle indique. 19. Combien 15 degrés. Ok. Et c'est bizarre ce volant, la première fois. Wow. Alors tu feras attention, il n'y a pas de bip bip. Hein. Oui. Je vais essayer d'éviter de faire une martine, comme on dit chez nous. Alors, et ça balance. Bisous Martine, on t'aime. Une voiture est difficile à conduire en marche arrière, et ce pour plusieurs raisons. Alors, le yoke, c'est une habitude. Voilà. Alors, ouais, là, c'est... Alors, quoique, moi, parce que j'ai très l'habitude de faire glisser le volant, en fait. Mais je sais pas comment tu conduis, toi, d'habitude. Mais tu sais, il y a plein de manœuvres où en fait tu laisses glisser, quoi. Tu te laisses glisser le volant dans les mains. Ça, ouais. Tu peux plus le faire. Et ouais, c'est vrai. Parce que si tu laisses glisser, t'as plus rien dans les mains. Et ben, tu glisses pas longtemps. Hein. Ou tu glisses dans le jardin, mais je sais pas. Mais. Alors, ouais, si j'aime bien le bruit. T'as remarqué le bruit? Ah, il est beaucoup plus présent que dans la 3. Ouais, mais le bruit aigu, peu de turbine là. C'est ça, ce petit siffle. Mais j'adore moi. T'as l'impression de conduire un avion de chasse, mais, quoi, ça... mais cette voiture, elle fait tout un tas de bruit que je connaissais pas. Oui, il y a des choses qui se passent, mais je sais pas trop. Mais il paraît que c'est normal. En tout cas... Ouais, la route, elle est un peu... On y voit pas trop dans les virages, là, faut faire attention. Ouais, non, mais après, t'auras l'occasion de tester. T'inquiète, je fais... Non, mais par contre, une petite route comme ça... Ça permet de tester la maniabilité, parce que quand même, la Model S, ça reste une grosse voiture. Et la suspension, parce que t'es sur une route bien abîmée. C'est super agréable. Et on n'est pas secoué. Ah non, mais du moins, pas trop, quoi. Franchement, c'est ultra agréable à conduire. Et ben, tu sais quoi, je m'auto-surprends, parce que du coup, pour l'instant, j'ai pas de problème particulier à conduire avec le yoke. Ce qui est surprenant avec le yoke, c'est que plus tu prends de la vitesse et plus il a du sens. Tu te crois comme dans un jeu vidéo, moi. Parce que tu as deux mains, tu sais, l'une à côté de l'autre, là. Enfin, l'une en face de l'autre, et vraiment... Moi, je suis à deux doigts de l'entendre parler, j'ai l'impression de conduire kit, là. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000. Le kit, si tu préfères. Tu te traînes, là. Tu te traînes. C'est pas ma caisse, je vais pas faire n'importe quoi. Non, c'est pas moi, c'est Kit. Et du coup, tes premiers tests par rapport à l'autonomie, ça doit changer, non? T'avais une 3 LR, toi, hein? Ouais, j'avais une 3 LR, mais qui n'avait pas de pompe à chaleur, donc qui pompait plus que les 3 récentes. Et sincèrement, ben, ça descend pas, quoi, l'autonomie, quoi. C'est un chameau, quoi. T'es à combien au max, là? De quoi au max? À 100%, t'as combien d'autonomie? À 100%, combien j'avais relevé la dernière fois? C'était 672, je crois. Ah ouais? Affiché.
Ah ouais, c'est un nouveau le truc. Ça, ouais, ça commence, ouais. C'est impressionnant, à peine tu touches, ça part comme une bombe. Ça, c'est un coup à finir plus taxi en fait. C'est ça. À pied quoi. Ou en prison. En prison. Ça dépend. Non, non, mais. Alors par contre, ouais, c'est ça, parce que en fait, donc, pour ceux qui suivent la chaîne, je l'avais testé en passager avec Jérôme, qui était au volant, et donc quand on avait récupéré ta voiture à toi d'ailleurs, il avait fait c'est le même jour. Et il pleuvait, et du coup, évidemment, bah, tu testes une Model S, tout le monde s'amusait à accélérer avec, et c'est vrai qu'elle avait tendance à chasser, mais à chasser, on sentait, tu vois, le... mais là, sur route sec, ça le fait pas, en fait, quand j'appuie, et encore, quand je dis à chasser, c'est un grand mot, c'est que tu sentais juste, non, il y a tellement de puissance, elle patinait un petit peu, ouais. Voilà, mais elle se remettait droite, quoi, c'est pas le, là, ça me le fait plus. Enfin, attention, parce qu'elle est quand même beaucoup plus large que la 3. Oui, oui, non, mais t'inquiète. Alors, t'as vu comme ça pousse, là? Ah ouais, non, mais c'est stable. Dis-toi qu'entre le mode sport où tu es et le mode inuit, il y a un fossé. Ah ouais? Oui. Mais c'est... vraiment? Oui, oui, oui. Oui, oui, il y a un fossé entre les deux. C'est abusé. C'est abusé. On va te le passer après, là. Repère la route tranquillou. Mais il y a un fossé, ouais. Vraiment. C'est... Il n'y a pas de fin quand t'appuies. Ah ouais, non, mais déjà là, comme ça, c'est super agréable. Alors sincèrement, le mode inouï, bon, c'est rigolo pour essayer comme ça. Mais en vrai, vous allez jamais, enfin, vous n'allez pas conduire au quotidien avec le mode inouï. Vous allez rester en sport parce que c'est le plus polyvalent en fait. Il y a de la pêche, mais ça peut aussi se conduire très souple. Le mode inouï, c'est quand même assez violent. Ça porte bien son nom. Ouais, puis du coup, je suppose que tu tapes pas mal dans l'autonomie aussi, du coup. Ah oh ben, comme un thermique, hein. Plus t'appuies, t'as de quoi faire plaisir. Non, mais personne. Du coup, toi, en taxi, tu vas l'utiliser principalement en sport. Parce que t'as un mode confort aussi. Il y a un mode confort, mais je le trouve un peu mou. C'est vraiment confort, tranquille, t'as pas envie de secouer maman. Voilà. Bienvenue à Toulouse. Vous faire peur à des enfants, voilà. Mais tu vois, le confort et suspension, c'est dingue quand même. Ah, tout à fait. Puis je reviens sur l'option que j'avais découvert, qui existe depuis un moment, mais le fait que elle retienne en fait tes réglages de suspension quand tu retournes au même endroit. Et surtout, entre utilisateurs, ça partage les réglages aussi. En fait, oui. Tu vois, par exemple, la route où on est parti de chez moi, qui est un peu défoncée, je l'ai réglée en position haute. Donc, de base, dès que j'y arrive, elle se met en position haute à chaque fois. C'est incroyable. Parce que j'ai des trous, parce que chez moi, il y a des tracteurs qui passent devant chez moi et du coup, ça abîme un peu la route. Ben là, pour le coup, ben, je m'en fous. Alors que la Model 3, ben, je fais tout pour les esquiver, les trous. Parce que je suis trop secoué. Mais bon, après, attention, la Model 3 est quand même une voiture assez confortable, mine de rien. Niveau suspension et tout, mais là on est quand même sur un autre niveau, c'est du pneumatique forcément. Rappelle-moi le prix là. Non. Non, c'est pas, enfin, moi à la rigueur j'ai fait une bonne OP dans le sens que j'ai fait une précommande. La contrepartie, oui, c'est que toi c'est un outil de travail, je rappelle. Ouais, fais attention à droite parce que tu sers vachement. Non, non, t'inquiète. La contrepartie, je vais pas lui la rendrayer de suite. C'est que je l'ai attendu 18 mois. Mais voilà, j'ai pas eu la première vague à 90 000. J'ai eu la deuxième à 100. Ensuite, il y a eu une troisième vague à 105 000. Et ensuite, ils ont retiré les prix. Quand les prix sont réapparus en Europe, prix de départ, 114 000 euros. 113 990. Voilà. Ah. Mais 114 000 euros. Donc, quelque part, même si j'ai pas eu le meilleur prix, j'ai quand même eu quasiment 14 000 euros de moins que le prix affiché aujourd'hui. Alors oui... On voit des baisses aux États-Unis. Hein, là, récemment, on voit plein de trucs de baisses de prix aux États-Unis. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'aux États-Unis, un, elles sont en hors-taxe. Et qu'une fois les taxes ajoutées, ben, vous retombez plus ou moins sur les prix européens. Alors, j'essaye de m'y prendre dans le rond-point. Non, ah ouais, c'est ça qui est... Non, par contre, pour revenir à la conduite, dans le rond-point, quand tu reprends, tu veux mettre ton clino, là, c'est chaud. On s'y habitue. Ouais, non, du coup, ça fait une petite gymnastique. Laisse-les partir là devant, tranquillou. On va te passer le mode inouï. Vas-y, mets-la en mode supercar. Voilà. Alors, il y a le mode inouï, il y a aussi un mode drag. C'est-à-dire que je n'ai jamais essayé encore parce qu'il faut du temps de chauffe et tout. On va pas l'essayer tout de suite. Et on va pas l'essayer. Voilà.
Hein, on va. Donc là, je suis en inouï. On fera ça peut-être au Todd, si on a accès à une piste. Ouais, putain, allez, au prochain Todd. Donc le Tesla Honors Day, hein, c'est le rassemblement des membres du TOC. De toute la France. Voilà. Pour rappel, l'année dernière, on était sur le circuit d'essai à Michelin vers Clermont. Donc on a moyen de faire des trucs sympas. Voilà. Du coup, j'ai papa là avec maman qui me colle derrière. Mais vas-y, hein. Oh, du coup. Ah ouais. Oui. Ah ouais, alors, oui. Oui. Je confirme la. Ah, mais c'est incroyable. Tu confirmes le fossé qui est entre les. T'as appuyé à fond? Non, mais. Même... Non, enfin, presque, mais tu. Non, j'étais pas. Voilà. Vas-y, appuie à fond pour voir. Enculé. T'as l'impression. Tu sais quoi, ça t'as l'impression que la voiture elle se lève comme dans les dessins animés. T'as le nez qui se lève. Oh, mais le bruit aussi de la turbine. Ah ouais. Alors, papa, maman, c'est bon, on les voit plus là. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. T'as dû se voir la caméra elle a dû faire. Non, mais c'est. Alors, wow. Tu vois là, imagine maintenant la plaide. Ouais. Ça doit ouais. être. En vrai, j'ai eu l'occasion de l'essayer, mais je l'ai pas fait parce que. Mais d'ailleurs, t'étais là, je crois. Oui. On avait fait un rassemblement là, mais bon, j'avais laissé. J'aurais des occasions. Moi, je me souviens de Jonathan. Hein. Ah, il s'est fait une déchirure au cou, là. Voilà. Après deux accélérations, ils sont rentrés, ils ont fait des tronches, ils n'étaient pas bien du tout, ils ont dit, faut faire une pause. Non, mais par contre, ouais. Alors là, par contre, quand tu conduis et que tu accélères avec celle-là, oh. Et faut bien la tenir, là, faut bien... Ah, par contre, ouais, il faut la tenir à deux mains. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, tu peux, parce que sinon... Ah non, mais tu l'as, là, par contre, tu l'as, tu sens que la poussée... Faut que la voiture elle accroche quand même, hein, parce que waouh, ça envoie du bois. Alors par contre, moi je suis perdu, donc tu... Ah ouais, mais c'est bon. C'est tout droit. Je vais rappeler les specs, hein, c'est 3 secondes 2 le 0 à 100. Voilà. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. Donc c'est autant qu'une Model 3 Performance. Voilà, bah, pour un machin beaucoup plus lourd. Hein, voilà, c'est ça, elle a plus de chevaux, mais parce qu'elle est beaucoup plus lourde qu'une Model 3. Donc, mais elle fait la même chose. C'est... très agréable à conduire, c'est super d'avoir ce genre de voiture. Par contre, ouais, déjà moi avec la. Je conduis bien, je respecte les vitesses et tout, mais des fois bon quand tu tombes sur des veaux. Avec ça dans les mains quoi, mais c'est un truc de fou. C'est hors norme. Et on n'est pas sur la plaine. Mais pour moi c'est amplement suffisant. Ah mais largement. Parce que le mode plaid au quotidien il est inexploitable et. Mais même ce mode là, le mode sport il suffit sur cette voiture. C'est ça que je te dis, à 99% du temps je vais conduire avec en mode sport. Ça, ce mode là, le mode inouï, tu le mets pour impressionner les copains là, quand on fait les vidéos où ils ont tous peur. Voilà. Puis après tu te remets en mode sport pour conduire normalement. Bon, tu veux tester le mode confort maintenant? Ah, mais si tu veux, oui. Ah, le mode confort, je peux te mettre en super confort, c'est-à-dire je vais te mettre les suspensions confort, je vais te mettre l'accélération confort et la direction confort. Alors, direction confort, Camille, elle a pas aimé. Ah non, c'est, je le sens de suite. Voilà, c'est trop mou. Oui. Hein, moi non plus, j'ai pas aimé. Ah, c'est trop bizarre. Donc, de base, la direction, moi, je la mets en sport. Okay. Là vous avez tous les modes, hein. Le fameux mode dragster avec le lancement, hein. Ça c'est pour qu'elle se mette en mode cheetah, c'est-à-dire que c'est l'arrière qui se relève, ou du moins l'avant qui se baisse, le mode guépard en gros, hein. C'est ce que ça veut dire cheetah. Alors là voilà, là t'es en suspension confort et en accélération confort. Donc elle est censée être encore plus smooth. Ah, j'ai l'impression de conduire une Clio. J'ai cru que t'allais dire un modèle Y. Non, j'insulterai pas les Clio quand même. Ah merde. Non, mais là, c'est là. Là, tu peux reprendre à gauche, ou alors rentrer par le périph' aussi, ah. C'est bien, vas-y. Ouais, alors pas avec le mode confort. Alors, mode confort, c'est très bien, tu conduis, t'es souple, t'accélères, ça accélère pas. Si, quand même. Non, mais. Mais comparé à ce que t'as vu avant, non. Et puis même, tu sais, habitude de conduire la Model 3 et tout, t'as une accélération standard. C'est ça. On peut dire ça. C'est ça. Ouais. Donc là, je vais te remettre du coup, qui pour moi est le plus... c'est le sport. Ouais. Et les suspensions, voilà, vous avez plusieurs modes. Vous avez confort, auto, sport, avancé. Donc moi, je le mets en auto, parce que comme ça, il se gère tout seul.
l'avancée, à la rigueur, ça va vous servir si vous faites un peu de circuit. Ça va vous permettre de répartir un peu comme vous avez envie vos suspensions. Dans tous les cas, je ferai de toute façon une vidéo complète sur la voiture. Remets ça, on n'en doute pas. Un peu plus poussée dans les semaines qui viennent. Il faut déjà que moi, je la prenne un peu en main pour savoir de quoi je parle quand même. Ouais, mais d'avis que tu vas vite la prendre en main, ouais. Oui. Ah, puis elle est facile, je veux dire. Le truc des clignotants, c'est une fois que dans ta tête, c'est clair qu'en haut, c'est droite, en bas, c'est gauche. Ah, mais quand tu tournes, tu fais comment? Attends, ben, là, je... Avec ta deuxième main. Ouais, c'est chaud. Non, mais c'est une habitude. C'est une habitude. Mais on la prend vite, hein. Et tu vois, j'avais parlé avec Olivier, qui lui avait installé pendant quelques temps un yoke sur sa Model 3, avant de l'enlever parce que... On lui avait dit que c'était pas. Que du coup ça allait pas niveau assurance, donc du coup il l'a enlevé, il a remis le volant rond, mais il se régalait avec son yoke sur sa Model 3. Non, mais c'est. Tu feras gaffe au radar là. Oui, je suis à 90. Oui. C'est. Non, mais c'est spécial, mais bah, au final, sur ce test, ça m'a pas perturbé. Je m'attendais à bien plus perturbant que ça. Après, te dire si je préfère ça ou le volant rond. Je sais pas, faut vraiment que je passe du temps. Il y a le côté agréable où ça te cache rien. Mais bon, sur ma voiture, c'est moins gênant parce que la mienne est épurée. Ouais. Toi, c'est vrai que du coup, dans la Model S, t'as vraiment la visibilité du compteur. Et moi, je trouve que oui, le yoke, ça lui donne quelque chose, quoi. Ça lui donne un charme. J'ai vu des photos avec le volant rond classique, hein, des nouvelles SX qui ont été livrées. Ouais. Et ben, je trouve que ça lui enlève quelque chose. Est-ce que tu crois qu'on va rattraper la Peugeot? Suspense. Au revoir, Peugeot. On est d'accord que t'as à peine frôlé la pédale, quoi. Mais oui, mais c'est impressionnant. Et on est en mode sport. Et on est qu'en mode sport. Là, mode inouï, je serais déjà à 200. Ouais, mais non, parce que il y a des messieurs en képi qui seraient très contents de te choper. Donc, oui, non, mais je le ferai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu te laisses aller, même sans parent, ça accélère tellement fort, tellement vite. Qu'en quelques secondes, tu peux passer de 50 à 160, quoi. Oui, puis la voiture gomme tellement cet effet de vitesse, en fait, que tu peux avoir dans un Model 3, puisqu'elle est plus, voilà, plus petite. Que oui, tu es de suite à des vitesses interdites sans t'en apercevoir. Ah ouais, non, faut, avec ça, là, faut vraiment être prudent. C'est pour ça que au quotidien, quand je travaille, je me suis mis le Coyote dans la voiture. Parce que si j'oublie, lui, il me rappelle à l'ordre. Non, mais toi, le mode confort, au moins, tu ne te feras pas prendre. Non. Alors je précise que le mode confort quand même met déjà à l'amende pas mal de thermique. Oui non mais c'est nous avec notre habitude de l'électrique. C'est ça. C'est vrai que bon. Bon, le seul inconvénient en fait maintenant que j'ai, c'est que si je vais je sais pas, Disneyland ou quoi, ben, je vais être blasé parce que j'ai une voiture qui accélère plus fort que le Space Mountain. Ça quoi. Va être compliqué. Oh, peut-être pas, je sais pas comment il prend le Space Mountain, il bombarde quand même. Moi, ce que j'ai ressenti, et je l'expliquerai lors de mes vidéos aussi, c'est que le RAWAR 4, en autopilote, j'ai trouvé l'autopilote plus doux, plus fluide et surtout plus précis, en fait. J'ai plus ces gros coups de frein quand quelqu'un se mettait devant moi ou quoi, en fait. Ça ralentit, mais vachement plus... c'est beaucoup plus agréable pour les occupants, quoi. Voilà. Après, hein, t'as de la puissance de calcul, donc ça te laisse le temps de faire des algorithmes un petit peu plus. C'est ça. Non, mais je veux dire, voilà, les améliorations que j'ai eues du RAWAR 4 jusqu'à maintenant, c'est ça. C'est-à-dire de quelque chose de plus. Ouais, plus smooth, quoi. Plus. Ça a dû plaire à Camille. Que ce soit plus doux. C'était vraiment confort. Oui. Oui, ça lui a plu, ouais. Ça lui a plu. Mais elle s'est régalée au volant. Ah, j'en doute pas, oui. Elle se régalerait pas avec ça, quoi. Et là, donc, on est dans un. Petite route de village, conduite tranquille, c'est ça. Ça passe crème. C'est ça. Bon, moi je suis pas encore habitué à la largeur de cette voiture, hein, évidemment, mais ça va venir, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, bah écoute, elle est légèrement plus large, enfin non, elle est quand même pas mal plus large. On l'avait mis à côté de l'autre, ouais. Oui, c'est quand même un beau bébé quoi. Et la longueur, j'en parle pas parce qu'évidemment elle est beaucoup plus longue aussi. Et sans capteur, bah, c'est compliqué. C'est un peu chaud patate, ouais. Mais d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, hein, de ce que tu m'as montré, il y a une mise à jour qui arrive plus ou moins. Ouais, apparemment, ouais, on suivra ça avec tes vidéos. Oui. Du coup. Oui, puisque toi, tu les as, les capteurs. Mais tu sais qu'à terme, quand Tesla Vision sera en place, même ceux qui ont les capteurs,
les capteurs seront désactivés. Ouais, ça c'est très con pour contre. Ouais, il l'a annoncé. Ça te... Mais non, en fait, il y a une explication. J'en avais parlé à Camille. C'est qu'en fait, Elon Musk avait expliqué dans un communiqué Tesla que la voiture captait deux informations, en fait. Une des capteurs et une des caméras. Et que parfois, il y avait des conflits entre eux. Oui, c'est contradictoire, mais après, voilà. Normalement, c'est au hard de gérer ça. Et mais apparemment, ça posait problème. Alors peut-être ça posait problème avec le hard de oui, l'époque, l'ancienne génération. L'ancienne génération. Mais du coup, il disait qu'avec Tesla Vision, c'était beaucoup plus précis. On attend avec impatience, évidemment, cette fameuse mise à jour pour voir ce qu'il en est, réellement. Après, on est d'accord que personnellement, si j'avais été Elon Musk, j'aurais d'abord sorti la mise à jour et après, j'aurais enlevé les capteurs, et pas l'inverse. Ouais, c'est économie d'échelle, ça. Ouais, il a mis un peu la charrue dans les bœufs. Si on enlève les capteurs, démerdez-vous pendant quelques mois et je sortirai la mise à jour un jour. Voilà, et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu relou. Normalement, on fait l'inverse. Ouais. Mais ça se conduit bien hein, dans les petites villes aussi, hein, dans ouais. Les petites rues et tout. Ça se conduit bien, petit village, tranquillou. On laissera ton adresse à la fin de la vidéo pour oui. Tous ceux qui veulent venir l'essayer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mon chien sera ravi. Ouais. Voilà. Il a souvent faim. Et tu le nourris pas assez, donc comme non, ça. Non, non. Depuis que j'ai une modèle, je le nourris plus. Ouais, voilà, comme ça, le premier qui rentre. Mais non, mais j'ai plus de sous en fait. j'ai plus de quoi acheter des croquettes, le pauvre. Non, je plaisante, hein. Je plaisante. Ne m'envoyez pas la SPA. Je rigole. Non, parce qu'il faut faire attention aujourd'hui à ce qu'on dit, hein. Il y en a qui peuvent être très premier degré. Hein. Oui. On se retrouve pour la fin de ce test. Qu'est-ce que j'ai à dire de la Model S? Bah, c'est une super voiture. Hein. En fait, j'ai été agréablement surpris par le yoke. Je m'attendais à pire, en fait, à prendre en main. Et au final, j'ai pas eu de problème particulier. C'est bien pensé, quand même. Mais en tout cas, sur ce test, il n'y a que des qualités sur cette voiture. Elle est super agréable à conduire. Elle est super bien finie. Ça se voit que c'est une voiture luxueuse, quoi. Ils sont montés en gamme. Ah oui, clairement. Avec les suspensions pneumatiques, du coup, ouais. Qui sont adaptatives, hein, donc comme on l'expliquait pendant que je conduisais, si vous réglez un endroit pour que la voiture soit un peu plus haute, eh ben, elle va l'enregistrer, elle le fera toute seule la prochaine fois. Et surtout, si d'autres utilisateurs repèrent des endroits où ils font des réglages spécifiques de suspension, la voiture va le partager avec les autres, et quand vous passerez aux mêmes endroits, vos suspensions se régleront automatiquement, c'est quand même assez bien pensé. Excellente expérience, alors le mode inouï, hein, c'est bien pour jouer, mais pour conduire, là, c'est un coup à finir à pied en quelques kilomètres. Mais non, c'est vraiment une super voiture. À mon avis, tu vas te régaler à la conduire au quotidien en taxi, je pense. Je pense, ouais. Je pense, et surtout qu'en plus, là, niveau autonomie, c'est tellement... Enfin, il y en a tellement que finalement, j'y penserai même plus, hein, à part les très grosses journées, mais bon. Ce que j'ai hâte de voir aussi, ça va être la première charge, parce que j'en ai pas encore fait sur le superchargeur, puisqu'ils ont dit qu'ils avaient amélioré la courbe, qu'elle tenait beaucoup plus longtemps dans les hautes charges. Et donc ça, j'ai hâte de le voir. Normalement, j'aurai le occasion mercredi, si tout va bien. De faire ton premier suc. Oui, parce que j'ai deux allers-retours à faire, du coup, Carcassonne, plus dans le Gers, etc., etc. J'ai pas mal de routes à faire, je dois faire à peu près, je crois, de mémoire, dans les 650 bornes dans la journée. Donc je pense que je devrais y aller au moins une fois, mais pas longtemps, du coup, hein. Peut-être qu'un quart d'heure suffira ou 10 minutes. Je vais voir. je prendrai certainement la caméra avec moi ce jour-là pour... Oui, tu nous feras un petit... Pour ta première grosse journée en taxi, ça pourra faire une vidéo intéressante. Ouais, je me mettrai la petite ventouse, là. C'est ça. Et voilà. Donc on verra ça sur la chaîne Tesla Connect. N'hésitez pas à aller vous abonner si le quotidien en Model S vous intéresse, du coup, parce que je suppose que tu vas faire plein de retours. On va faire plein de retours. Je continuerai à parler un petit peu de la Model 3 parce qu'il se peut que je conserve celle que j'ai. Mais la majorité de mes vidéos seront bien sûr tournées sur la Model S et sur son utilisation intensive en taxi. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai été ravi de tester cette Model S. C'était vraiment une expérience super agréable. Non, je l'achèterai pas parce que j'ai pas encore gagné l'auto, mais si vous avez le budget, moi non plus j'ai pas gagné l'auto, hein, parce que sinon je les kifferais pas en taxi, hein. Tu m'étonnes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Moi, je suis très content d'avoir fait cette vidéo avec toi aujourd'hui. Pareil, oui, et celle d'avant aussi, c'était bien cool. Et puis voilà, à bientôt. On s'est bien amusé, ouais. À bientôt. Ciao. Salut.